Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review que vous allez découvrir ben, en même temps que moi, parce que je vous dis pas cet oracle, je le trouve, je sais lequel c'est, hein. J'en attends plusieurs là, mais je sais lequel c'est. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur, vraiment vraiment. Donc on va voir si mon coup de cœur visuel a été sera le même au niveau vibratoire, je n'en doute pas. Et du coup, ben, je l'ai reçu hier et je devais, j'ai pas pu vous faire la review, donc en fait, je trépignais. Donc voilà, on l'ouvre ensemble, on le découvre ensemble, les amis. Alors, qu'est-ce que nous avons? Déjà, une plume violette. Comment vous dire que le violet, c'est ma couleur préférée? Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je le dis tout le temps. Donc, juste merveilleux. Un petit pochon. Très, très beau. Je dirais en fibre naturelle. Je peux me tromper, mais je pense qu'il est en coton naturel. Mais... Et regardez-moi ça. Alors, vous savez que moi, je trouve ça vraiment super mignon, les petits emballages. C'est toujours un geste qui, je trouve, montre vraiment l'amour qu'a son créateur pour son oracle. Parce que quand on met des petites intentions, quand on met, je sais pas si la musique est trop forte, je vais vous la baisser un petit peu peut-être. C'est une musique que j'adore. Et en fait, ici, voilà, on vous met fait main avec amour, merci spécialement pour vous. Voilà, un petit mot qui. Alors, franchement, je pense que les trois quarts de mes partenaires, voire plus même, font beaucoup d'efforts sur les emballages, les cartes de remerciement, le petit mot, le ci, le là. Enfin, voilà. Moi, je n'ai vraiment pas à me plaindre de ce côté-là. Alors, ça me fait de la peine de défaire, mais bon, que voulez-vous? On est obligé d'y passer. Hein. Alors, attendez. Je vais essayer de ne pas devoir couper. Donc, on a le petit pentacle de protection qui est là. Et vous l'avez vu, ce petit pentacle de protection ici. Alors, vous vous demandez certainement. Quel est cet oracle avec un pentacle de protection? Qu'est-ce que ça peut être avec du noir? Commencez à réfléchir. Moi, je sais. Je mets tout ça dans mon améthyste pour remercier. Donc, au fond, on a du papier de soie noir. Là, si vous y voyez bien, avec voilà des petits serpentins noirs. Le noir, je trouve que ça fait très classe. Mais bon, ça c'est. Il y en a qui n'aiment pas. Moi j'adore. Moi noir, violet, rouge. Après j'aime tout ce qui est coloré aussi. Enfin, j'aime tout en même temps. Il n'y a pas grand-chose. Alors, on va le découvrir ensemble. C'est un oracle qui n'a pas de livret. Parce que vous n'en avez pas besoin. Il a besoin de. Déjà, vous aurez. Vous allez voir. Mais. Après, c'est à vous de vous connecter avec lui. Très important pour moi, je pense. Hop. Alors là, on n'entend plus du tout la musique. Bon, là, je vais être obligée de déchirer un petit peu. C'est pas grave. Je pense que la créatrice m'en voudra pas. En tout cas, merci beaucoup, Katie, pour cette création. Et là, vous avez une petite. J'aime bien vous faire. Et attendez, moi je dois poireauter pour vous, pour le faire en direct avec vous. Donc il n'y a pas de raison que vous ne poireautez pas un petit peu aussi. Hein. Et donc, il faut jouer le jeu là. Et hop! Donc ça, c'est très bien, je trouve, pour protéger l'oracle. Un petit carton. Je trouve que ouais, ça protège vraiment. Allez! Allez, je monte un peu. Décidément, la musique, elle ne veut pas se régler.
Regardez-moi ça. Oh pétain, moi qui adore le violet, je suis servie. Magnifique. Pentacle de protection, j'ai envie de dire. Gardez-moi ça. C'est très très beau. Beaucoup de travail. Très beau. Très beau, j'ai rien d'autre à dire en fait. Alors, je vais vous parler de la qualité des cartes. Je vous fais porter jusqu'au bout, hein, vous avez vu, je suis horrible. Donc, très bonne qualité. La taille, je crois que c'est du 7 sur 12, si je vous dis pas de bêtises. Ah, et je vais vous dire un truc avant que j'oublie. Parce que je vais vous mettre, il est en vente uniquement sur Etsy, d'accord. La créatrice a Facebook, mais pas Insta et pas TikTok pro. Donc, je vous conseille de commander sur Etsy. Et sur Etsy, en ce moment, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois jusqu'au 29 novembre, j'ai vu qu'il y avait 20% de réduction sur tous ces oracles. Vous allez voir, ils sont tous fabuleux. Sont tous très très beaux. Si je pouvais tous les avoir, ce serait une pépite. Mais en tout cas, donc au lieu de 49 euros, je crois qu'il a 39 euros quelque chose. Bref, 40 euros quoi. Donc au lieu de 50. Donc ça vaut le coup. Je vous invite vraiment à y aller rapidement parce que c'est bientôt fini. Alors, la qualité des cartes, on l'a vu. Les coins ronds, on l'a vu. Non, on ne l'a pas vu. Les coins ronds. Du coup, je vous disais 7 sur 12, il me semble. Pas de livret. Et il y a... Ah, je ne me souviens plus. Je crois... Ah, bah, il y a les numéros dessus. 54 cartes. Qu'on va aller découvrir. Allez, on y va. On se lance. Donc, les cartes ont un numéro, donc 1 jusqu'à 54. On vous parle ici, je ne vous dis pas tous les mots-clés, je vais vous dire le premier pour que vous vous rendiez compte. On vous parle ici d'évasion magique. Nouveau départ, nouveauté, commencement. Vous avez vu ces couleurs? C'est... j'adore, j'adore tout ce qui est sorcière, j'adore tout ce qui est... En fait, je crois que j'aime tout, c'est ça le problème. Mais là, en ce moment, j'adore tout ce qui est celtique, druidique, sorcière, très tout ça. Donc, voilà. Évasion magique. Alliance sacrale. Et ce que j'aime beaucoup, par-dessus tout, c'est que elle a réussi à trouver... des mots-clés différents. Alors, pas les mots-clés, mais les noms des cartes différents. Parce qu'on a souvent les mêmes répétitions. Hein. Mariage, séparation, l'évasion magique. D'habitude, il y a écrit tout simplement nouveau départ ou nouveauté. Là, ça y est, mais en mots-clés. Mais en fait, elle vous a trouvé un petit nom magique ici. Évasion magique. Alliance sacrale, voilà, je le trouve, et vous allez voir que ça va continuer. Les plumes enchantées. Il faut avoir de l'imagination hein, pour faire ça, parce que c'est pas évident. Et en fait, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mérite pour faire ça. Parce que souvent, on voit du copier-coller, en fait. Et donc ici, je trouve que voilà, il y a de la recherche, il y a du travail. Et ça, c'est important. En tout cas pour moi. Équilibre sacré. Défi des vents. Douceur sauvage. Nuit étoilée. Trésor caché. Moi, je dis cet oracle est un trésor. Vous me direz en commentaire, mais je pense que vous allez adorer. D'abord, il a cartonné à sa sortie. Hein. Il a cartonné à sa sortie. Elle a pu me l'envoyer qu'après la réédition.
Mais je pense qu'il va vraiment vous plaire. Sérénité éthérée. Clé du savoir. Divination intuitive. Le flux de la vie. Les illustrations parlent d'elles-mêmes, hein, déjà. Destin funeste. Liberté féline. Hop, attends. Chemin indécis. Regard perspicace. C'est magnifique. Bouclier des sorts. Mutation papillon. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous faire un petit tirage comme d'habitude. À la fin, je fais ça avec chaque oracle. Donc, je vous dis, restez jusqu'à la fin. Au moins, vous aurez un message et vous allez voir si il est pertinent ou pas. Et moi aussi, d'ailleurs. Le temps d'épreuve. Envol libérateur. Porte des possibilités. Croissance éternelle. Magie unie. Rivière des lamentations. Esprit trouble. La potion d'allégresse. Reflet serein. Le duel de loup. Sort destructeur. Charme trompeur. Ordre universel. Impasse champêtre. C'est très original. Voilà, c'est croissance réversible. Porte close. Miroir des âmes. Lac des rêves. Bénédiction ancienne. Sorcière mystique. Le regard maléfique. Éternel regret. Vigilance batracienne. Lien enchanté. Mystère verrouillé. Savoir ancien. Le sortilège maudit. Perfidie citrouillée. J'adore. Je l'adore. Contrôle obscur. Maléfice fongique. Horreur tissée. Monotonie ensorcelée. Refuge oublié. Cage de l'esprit. Vie de souris et le rituel purificateur. Voilà. Ah, je ne vous ai pas dit le nom. Alors, je ne vais pas dire de bêtises.
Parce que c'est en anglais et que je suis nulle en anglais, vous savez. Il s'appelle, il me semble, Misty Glow. Bon, excusez-moi pour la prononciation. Il me semble que c'est son nom. Hop. Alors bon, il brasse très bien. Ça déjà pour moi, c'est important. Parce que quand on fait ça toute la journée, les amis, et que vous avez des cartes trop grandes pour mes mains, là, il est parfait. Au niveau taille, ça fait la taille d'un tarot à peu près. Ouais, c'est la taille d'un tarot à peu près. Mais parfait. Il se mélange bien. Au moins. Alors au niveau de la qualité, c'est mat. Hein, c'est pas brillant. Mais ça change un peu. Moi j'aime bien. Les bords sont blancs simples. Et c'est très bien aussi parce que. Alors, c'est beau le doré, tout ça, mais. Des fois, ça s'abîme vite. C'est un peu le côté dommage de la dorure ou des couleurs, quoi. Alors, quel message il a à nous dire? Quel message, s'il vous plaît? Ça commence bien, dis donc. Waouh. Bon, ici, on nous parle de personnes autour de vous qui vont vous mettre en colère, certainement. Des gens faux, des gens hypocrites, certainement. Voilà, on vous parle ici de la carte du sort destructeur, colère, rage et rancune. Et du charme trompeur, illusion, fausseté, égarement. Moi, j'ai l'impression ici qu'en fait, il y a quelqu'un peut-être à qui vous avez donné votre amitié ou en tout cas... quelque chose de cet ordre-là et qui est en train de vous le faire à l'envers, les amis. Cette personne va vous mettre certainement dans une colère, un monstre, ou alors même peut-être que c'est elle qui est en colère après vous pour X raisons, c'est possible. Et du coup, qui essaye de vous faire un coup un peu pourri, quoi. On va voir. Allez, on continue. Quel message? Hop. Elle en a trop. Allez. On vous dit qu'en fait, ici, c'est quelqu'un qui est jaloux de vous. On vous dit qu'en fait, vous êtes en plein flux de la vie. Vous mettez de l'action, du mouvement. Vous bougez les choses, d'accord, pour peut-être dans votre vie professionnelle, je ne sais pas. Et en fait, ici, on me dit que du coup, c'est quelque part, ce nouveau cycle que vous mettez en route, c'est quelque chose qui la met en rage, d'accord. C'est quelque chose qui l'exaspère même. C'est quelque chose qui vraiment... Protégez-vous parce que vous, en fait... Avec la porte des possibilités ici, vous allez avoir des possibilités. Vous allez avoir des possibilités, vous allez pouvoir avoir une évolution, vous allez pouvoir avoir une période de chance, vous allez avoir peut-être votre potentiel, on nous dit ici sur la carte, révélé. Vous allez peut-être avoir une proposition de collaboration, d'accord ? Ça peut être dans tous les niveaux, hein, attention, voilà, professionnelle, dans votre vie créative, dans votre vie familiale, peut-être que, voilà, on va vous faire une proposition, je sais pas moi, de gérer quelque chose au niveau familial, et puis il y a le cousin qui n'est pas d'accord. En tout cas, voilà, il y a quelque chose ici qui n'est pas sain. Et ça, c'est parce qu'il y a de la jalousie autour de vous. Ok. Bon. Alors ici, il y a deux possibilités. On va voir ici qu'on a la rivière des lamentations. Beaucoup de tristesse de votre part. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va... Quand vous allez découvrir ça,
vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très proche. D'accord? C'est quelque chose qui va mettre fin, hein, avec le destin funeste ici. C'est quelque chose, cette fausseté qui s'est passée va mettre fin à quelque chose. D'accord? C'est la fin avec cette personne. Alors, ça peut être la fin d'une amitié. Et là, je vais vous dire, ça peut nous parler de vie de couple, d'accord? Qui peut vous mettre très en colère parce que vous avez découvert que la personne vous a trompé, qu'elle a eu une ouverture et que, ben, c'est aller plus loin que l'ouverture. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Ah, ben, très bien. Au moment où je vous dis ça, j'ai mon ordinateur qui bouge tout seul. J'ai des images qui défilent, c'est merveilleux. Ok. Et voilà. Donc, je vous parlais de quoi? Du lien enchanté. Ça peut nous parler donc de vie sentimentale, d'amour, de passion, de romance. Moi, je pense, on a le duel de loup avec le conflit, adversité, opposition. Moi, je pense qu'il y a une énergie tierce là-dedans. Alors, ça peut être dans votre couple et la personne avec qui vous vivez qui vous est trompée. Ça peut être vous qui vous vous en voulez énormément parce que vous avez franchi un cap avec quelqu'un, mais en fait cette personne elle vous passionne, vous savez que c'est ça, mais du coup ça vous rend très triste. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez ami, d'accord, mais en fait en même temps cette nouvelle personne vous offre des possibilités ici. D'accord, vous offre un nouveau commencement, un nouveau cycle de vie. Mais pour cela, il faut mettre fin à la... Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Il faut peut-être mettre fin à un couple actuel. Allez, on continue. Il est très parlant, hein. On voit bien ici que de toute manière, il y a une des personnes ici qui est toxique. Alors, carrément, on peut vous parler de danger. D'accord? Si c'est dans votre vie sentimentale, attention, parce que ça peut être quelqu'un qui peut aller très loin, entre guillemets, par méchanceté. On avait ici beaucoup de le sort destructeur. On a quelqu'un qui est capable de s'auto-détruire pour, ou même de vous menacer, peut-être de tentative de suicide, je sais pas moi. C'est quelqu'un qui peut jouer sur vos sentiments. On vous dit ici que vous allez avoir besoin de beaucoup de réflexion, d'accord? Avec la nuit étoilée, vous allez avoir besoin de demander des messages là-haut, de contempler le ciel peut-être pour avoir des messages de vos guides, du divin, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Très, très, très beau message. Alors, très, très beau, oui. En fait, quand je veux dire ça, c'est très, très beau dans le sens où cet oracle parle de lui-même. Voilà, je savais que j'aurais un coup de cœur, mais je ne me suis pas trompée. Ah, il y en a trois. Il y en a quatre. Je ne prends pas plus de trois cartes, petit oracle. Toi, tu t'es pas habitué encore, mais hein, toujours quatre. Ah, décidément, hein. J'aurais dû regarder, voir si c'était toujours les mêmes qui sortaient. Ah. Ah. Il va falloir mettre beaucoup de communication. Beaucoup de communication parce que du coup, tenir informé l'autre personne ici. Parce qu'ici, on me dit qu'il y a une alliance sacrale, engagement, contrat, union. Moi, je pense qu'en fait, ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est ou pour vous, ou pour votre autre, pour la personne qui a une énergie tierce. En fait, il va y avoir un gros conflit dans le couple. Je vous dirai le dos de deck après. Il va y avoir un gros conflit dans ce couple actuel. Ou parce que l'énergie tierce s'est rendu compte de votre existence. Vous adaptez vraiment, ou si c'est vous, eh bien, la personne avec qui vous vivez a découvert que vous aimiez quelqu'un d'autre. Bref, ou vous avez décidé tout simplement de révéler la vérité pour arrêter d'être dans l'illusion ici. Et que en fait, voilà, mais du coup, ça met cette personne, elle a envie de vous lancer des sorts, quoi. Elle a les nerfs à vivre, ce que je peux comprendre, attention.
Mais attention, ici, c'est une personne qui peut être dangereuse. Je vous le redis pour certains d'entre vous. Vous, vous serez très triste, très très triste. Mais en même temps, cet amour qu'on vous a offert sur un plateau, quelque part, que le divin a mis sur votre chemin, c'est pour un nouveau départ. C'est pour révéler qui vous êtes vraiment. C'est votre plein potentiel. C'est quelqu'un avec qui vous allez vivre une passion juste énorme. Et en plus, on vous parle de lien sacré ici, avec l'alliance sacrale. Voilà. Moi, je pense que c'est juste grandiose et magnifique. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Bénédiction ancienne. Soyez dans la gratitude. Appréciez et soyez reconnaissant de ce qu'on vous a envoyé. Peu importe qui vous êtes, si vous êtes en relation parcours flamme jumelle, runner, chaser ou pas parcours flamme jumelle, soyez reconnaissant du lien qu'on vous a mis. On vous a, voilà, on vous a mis quelqu'un sur votre chemin pour vous aider à avancer. Et pas qu'à avancer, à vous révéler. Donc voilà, soyez reconnaissant pour ça, soyez en gratitude, mais juste ben, la personne, elle est, la troisième personne est très énervée, ce que je peux comprendre. Mais soyez prudent juste par rapport à cette personne. Voilà, donc la guidance avec le Mystic Glow. je suis désolée, Kéty, vraiment, mais elle est fabuleuse. Hein. C'est un oracle qui va certainement être très 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 présent sur mes réseaux parce que quand j'ai des coups de cœur, bah, j'ai des coups de cœur. Et voilà. Et puis c'est surtout que j'en ai pas. Si j'en ai un autre avec des petites sorcières et des messages aussi sur tout ça, mais que vous avez vu, revu, revu, ça fait des années que vous voyez. D'ailleurs celui-ci. J'arrive pas à m'en détacher non plus parce que je l'adore. Hein. Mais voilà. Donc, si vous voulez le découvrir, ben, je vous invite à vite le commander. Parce qu'en plus, je vous le dis, il a 20% de réduction jusqu'au 29 novembre. Si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, allez-y avant. Parce qu'avec les 20% de réduction, il va partir très, très vite. Voilà, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et à vos commandes, les amis. Ciao, ciao!